Dans ce collège de Saint-Denis, tous les cours ont été annulés. Opération collège désert pour dénoncer les agressions dont sont victimes les élèves, notamment au stade situé à l'extérieur de l'établissement. Depuis la rentrée, il y a eu plusieurs agressions d'élèves, en particulier pendant les cours de PS. Ce sont des bagarres qui ont lieu uniquement parce qu'on appartient à telle cité et pas à telle autre. Certains élèves choisissent même de ne plus venir en cours. Nous avons des élèves effectivement qui vont être plus absents parce qu'ils ne veulent pas faire le trajet de chez eux jusqu'au collège. Et c'est vrai que cette année, nous avons, par rapport aux années précédentes, plus souvent des élèves qui rentrent avec des armes dans le collège, notamment des bombes lacrymogènes, des couteaux. Juste à côté, même rivalité de quartier au lycée Bartholdi. Il y a un mois, une dizaine de jeunes tentent d'entrer dans la cour, jetant des bombes lacrymogènes sur les surveillants et lycéens. Ici aussi, certains élèves ne se sentent plus en sécurité. S'ils viennent maintenant, il n'y a personne autour du lycée qui peut nous sécuriser en fait. On a toujours peur quand on sort, parce qu'on ne sait pas quand ils vont revenir encore. Ils, ce sont des adolescents âgés de 13 à 17 ans, issus de deux quartiers rivaux proches de ce lycée. La cité d'Aliendé et celle de Saucé-Floréal-la-Courtille, surnommée SFC. Une guerre de territoire dont ils parlent dans leur clip de rap. Désormais, même ceux qui ne participent pas sont visés, comme le fils de Myriam, agressé deux fois depuis la rentrée, simplement parce qu'il habite SFC. La deuxième fois, ils étaient en groupe d'amis à sortir ensemble du lycée. Et dans sa course, il a été rattrapé et roué de coups. Comme elle, de nombreux parents d'élèves du quartier vivent désormais dans l'angoisse d'une nouvelle attaque. Ils demandent plus de personnel dans les établissements scolaires, mais aussi des médiateurs dans les rues, pour que la jeunesse de ces quartiers puisse enfin vivre en paix.